Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la fameuse vidéo de mes entraînements pour les 20 km de Lausanne. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à la poster, mais je voulais vraiment faire un montage qualitatif, sachant qu'elle m'a pris 2 mois à filmer, du moment où j'ai commencé mes entraînements jusqu'aux 20 km, et aussi que je suis en pleine période d'examen, donc fallait que je fasse la part des choses. Et mon but avec cette vidéo, c'est vraiment de vous transporter à travers mes entraînements les plus intéressants, du moment où j'ai commencé jusqu'aux 20 km, en vous montrant les points positifs, les points négatifs, ce qui a été difficile parce que ça n'a pas toujours été facile. Et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner aussi pour voir la vidéo des 20 km qui sortira prochainement, je l'espère. Donc sur ce, profitez bien et passez une bonne journée. Bisous! Alors, on part, elle vient avec moi aujourd'hui pour ma deuxième séance. Aujourd'hui c'est du fractionné et voilà, ça va être du 30 secondes on, 3 minutes off, enfin genre off, à allure plus tranquille. Après pas mal d'endurance fondamentale, on en a pour environ 50 minutes et puis c'est parti. Et on a un très beau soleil qui nous accompagne. Et au bord du lac, ça va être pépite. Et comme dit, je m'entraîne avec le sac pour prendre l'habitude. Donc on a vraiment l'impression que je pars pour un trail de genre 8h, mais pas du tout. Bon, il y a un chien qui me suit, qui m'a aboyé dessus en me courant dessus. Du coup, on pace. C'est bien, je suis sauvée, c'est bon. Elle a fait demi-tour. Bon, j'ai fait pas mal de montées là. Et quand je me dis que je suis pas prête pour Lausanne là, avec les montées, parce que purée, c'est dur. Ça fait monter le cardio dingue vous là, c'est dingue. Bon, et aujourd'hui, je suis vraiment pas... c'est pas ouf tout ça, mais je fais ce que je peux et du coup il faut que je sois contente pour ça. Mais je cours plutôt doucement par rapport à ce que je suis censée faire. Je me suis pas mal arrêtée à cause de points de côté, j'ai encore mal d'ailleurs. Il y a vraiment personne, il y a juste moi, les oiseaux et la forêt. Cette check, quatrième entraînement terminé. Du coup j'ai fait 40 minutes à la place de 70 minutes parce que j'avais pas mal de points de côté. J'ai terminé l'entraînement avec une bonne montée et j'ai pu encore un petit peu accélérer parce que mes points de côté commençaient à partir. Du coup ça a fait du bien de terminer un peu mieux. Donc je suis quand même contente de cette sortie, même si c'était pas aussi long que ce que j'aurais espéré. C'est déjà bien, très très bien même. Où j'ai couru en moyenne 7,50 je crois, ce qui est quand même très bien. Cinquième entraînement aujourd'hui, on est sur une semaine de deload, donc c'est beaucoup plus chill. Aujourd'hui je cours sur tapis, enfin le air runner, et c'est 30 minutes tranquille, puis après quelques intervalles, mais ça reste très chill. Ça me fait super mal au mollet parce que j'ai pas l'habitude de courir sur le air runner. Bon, je suis actuellement dans le train pour retourner sur Lausanne et je viens de m'inscrire au 20 km. Donc là c'est acté. Oh, j'ai le choix maintenant. Au secours. Non mais ça va être cool. Let's go. On est dans la je ne sais pas combien de sortie. C'est aujourd'hui une de mes sorties les plus longues que je n'ai jamais faites. Et c'est aussi le nombre de kilomètres le plus long que je n'ai jamais fait, parce qu'on va être sur environ du 10 ou 11 km là. Je suis partie pour une sortie de 1h20 en endurance fondamentale. Donc vraiment très calme. Et j'ai hâte de voir comment ça se passe. J'en mets un petit gel avec moi parce que je sais pas, c'est long, est-ce que c'est assez long pour prendre le gel ou pas, on verra. Et puis je suis de nouveau accompagnée par Léa qui est en vélo. Et donc c'est parti. Bonjour.
Vas-y, première course en t-shirt. Ça change, ça fait du bien. Tout va bien pour l'instant, on est à, je crois, plus de presque 40 minutes. On arrive aux 10 km, mes premiers. Je suis encore bien, 166 de BPM. Je cours un peu plus vite, je sais pas pourquoi, pourtant ça va. Enfin, oui, justement, ça va. Et là, on va attaquer un peu cette montée là. Donc, let's go. Ça va faire mal un petit peu aux genoux, je pense. Oh, le pire, c'est les putains de feux parce que tu dois t'arrêter. Ça fait peut-être 2 minutes que je suis là. Je perds mes jambes déjà parce que je vais devoir partir. Ok, on est à je sais pas combien de temps. 1h30. Waouh, ok, j'ai fait un peu plus que prévu. Ça devient vraiment dur mentalement, mais aussi physiquement. Oh là, ça c'est la sueur ça. Alors j'ai fait 1h36 je crois, j'ai fait 13 km. Là où je sens que c'est bien gonflé, ça a bien congestionné, c'est au niveau des genoux quand même. Mais franchement c'était cool, je suis super fière de moi. C'est mes premiers 13 km, c'est incroyable. Donc, ce soir ça va être arnica, le pistolet de massage et tout ça. Donc franchement ça fait plaisir, en plus quand il fait super beau comme ça, c'est génial. Donc très fière de moi et très bon entraînement que je valide haut la main. Bonjour tout le monde. On est à toujours je sais pas laquelle. Ok, je... Ok d'accord, 1, 2, 3. Bonjour tout le monde. Je sais pas à quelle séance d'entraînement on est. Je suis dans une séance d'intervalle. Je dois courir à 5,53 km pendant 5 minutes. C'est dur, mais là j'ai encore plus dur de parler. Donc je vous emmène avec moi comme toujours. Ok, je suis à mon troisième intervalle que je viens de terminer. J'ai super chaud. Encore un intervalle. Je suis dans mes 2 minutes 30 de récup. On court tout doucement. C'est le dernier. Ouh, dur dur quand même là. Regardez-moi comment elle court vite. C'est bien mon chaton. Oh là là, j'ai terminé. Maintenant 5 minutes tranquille. Et puis voilà. Bonjour tout le monde. Je ne sais toujours pas à quel entraînement on est, mais on est à la semaine 6. Premier entraînement de la semaine. J'ai déjà essoufflé, hein, j'ai pas couru. Elle est toujours avec moi cette fois, elle court. Et aujourd'hui, c'est le même entraînement que j'ai fait la semaine passée en intervalle, sauf qu'au lieu d'avoir 4 répétitions, c'est 5. Super, oui. Et faut que je vous montre mon outfit parce que vraiment, est-ce qu'on voit? C'est vert, c'est orange et jaune, orange fluo et rose. Et rose. Bleu. Et bleu. Et j'ai du rose là aussi. Donc voilà, bah, c'est parti, on va morfler un peu, mais très très joli comme d'habitude. On va attaquer le premier intervalle de 5 minutes à 5,50 le kilomètre dans 20 secondes je crois. Alors bah, maintenant je suis à ma récup de mon quatrième intervalle. Ça commence un peu dur, j'ai mal aux genoux, mal aux cuisses. Mais ça va juste congestionner, on va dire. C'est super parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Donc c'est super cool. Mais juste encore un. Et après c'est fini pour aujourd'hui. C'est vrai que quand il va y avoir 6 reps là, ça va envoyer. C'est cool, on prend du plaisir en tout cas. Deuxième entraînement de cette semaine. Aujourd'hui c'est 1h30 de course à pied tranquille. Et Bibi elle décide de faire quoi? De faire 1h30 avec du dénivelé. On court. Je vous ai pas dit, mais en fait on fait le parcours des 20 km mais réduit à du coup 1h30 de course, donc on arrivera à peu près au kilomètre 11-12. Pour l'instant c'est pas si mal, mais il y a quand même pas mal de montées. Là on est nouveau un peu sur du plat, puis après ça va bien remonter pour terminer, mais c'est vraiment cool, c'est un bon parcours.
première grosse montée. C'était dur. C'était très dur là. Là, je suis de nouveau sur du plat. Heureusement qu'elle n'était pas très longue. Et ça envoie direct dans le cardio. Ouh, c'est bien, on continue. Oh shit, here we go again. Elle est là-bas, elle arrive. On vient de faire la montée. Maintenant, on redescend et on est bientôt arrivé. Dernière grosse montée. Petite sortie course à pied, ouf là pardon, c'est pas grave. Dans Marseille. On fait ce qu'on peut continuer en voyage. On fait ce qu'on peut continuer en voyage, exact. On va faire tout le long de la promenade des Anglais, puis revenir et voir combien de temps on met. Voilà, elle me dépasse maintenant. Il nous reste 15 minutes de course et c'est très dur là. Vraiment c'est juste 1h30, un truc qu'on a fait la semaine dernière. Mais là c'est vraiment dur. J'ai mal aux genoux, j'ai mal sur ma plante des pieds. Ça c'est l'arrivée là. Ça c'est l'arrivée. Et top. Waouh. Elle arrive là-bas. Il est là. Waouh. J'avoue qu'aujourd'hui ça a été très dur de se motiver, vraiment très dur. Alors c'est ce qu'au dernier moment c'était vraiment je veux pas y aller, on prend la voiture, on va au parking pour y aller. J'ai pas envie, je vais faire demi-tour. Au final on commence à courir, ça saoule quand même, c'est là ouais, j'ai mal et tout, ça m'énerve, blabla. Puis au final, au fur et à mesure qu'on court, ça commence à aller mieux. C'est toute la beauté du sport. Donc on continue parce que ça va bien, là ça se passe bien. Il y a Léa qui est là derrière. Et puis voilà, c'est un peu tout quoi. C'était surtout pour vous dire que c'est important de quand même essayer d'y aller, même si c'est vraiment vraiment dur. Vraiment j'étais à ça de pas y aller. Mais alors vraiment. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, très longue course à pied. C'est 1h40 en endurance fondamentale et il fait super chaud. On n'aurait jamais dû mettre des pantalons. Très mauvaise idée. Par contre, badigeonner de crème solaire, casquette et tout. Parce qu'il fait genre 24 degrés. Et on n'a pas l'habitude, mon dieu, je suis trempée. Cette fois, on a décidé de longer le lac de l'autre côté. Alors, on visite un peu parce qu'on ne connaît pas du tout. Et puis il nous reste encore 1 heure. Ça fait que 40 minutes qu'on court. Elle est folle, elle me dit ça. Carrément, on n'était plus à Lausanne. Par contre, là, on va un peu mourir. Hein. Ça fait 1h34 qu'on court. C'est long. C'est très très long, franchement. Je suis fatiguée, mais surtout, je suis genre. En mode fatigue mentale et tout, et physique quand même, mais j'ai pas mal. C'est vrai que je veux dire, et j'arrive à respirer. C'est vraiment juste. C'est chiant quoi. Mais il fait très beau par contre, et on va aller au lac après, alors ça fait. On se motive. Pour l'avant-dernière semaine avant les 20 km, je dois courir beaucoup à mon allure 20 km. Je dois faire deux intervalles de 25 minutes à mon allure 20 km, entrecoupés par 5 minutes de pause. Et j'ai quand même genre 20 minutes d'endurance fondamentale au départ et 10 minutes à la fin.
donc je pense que je vais faire le parcours des 10 km Lausanne avant de rentrer chez moi, parce que c'est un parcours qui est plutôt... Il y a un petit peu de montée, et comme ça, je peux repartir de chez moi et re-rentrer de chez moi, Il fait pas très beau aujourd'hui, c'est pas très motivant, mais on y croit. Et puis c'est parti, on va prendre l'air, let's go! Bon, en fait je savais pas, mais il pleut, donc on met le carnet. Et puis pas d'excuses, hein. Oh là là, la motivation est pas très présente là. Là c'est parti, on va y aller, je viens de terminer l'échauffement. C'est parti pour 10 minutes d'endurance fondamentale et on part sur les intervalles. Ah, c'est drôle là, c'est une dunée, je suis en plein intervalle. Pendant le repos de 5 minutes là, après le premier intervalle, ça s'est bien passé, j'ai couru comme je voulais, j'ai ralenti dans les montées. C'est super pour l'instant, je suis sur le parcours des 28, donc c'est bien que ça se passe bien. Ok, je viens de rentrer. Au final j'ai fait 1h22 parce qu'en fait j'avais ma récup et après j'avais 10 minutes d'endurance fondamentale à la fin et je suis arrivée, genre il me restait peut-être je crois 7 minutes d'endurance fondamentale, mais tant pis, j'allais pas genre redescendre pour après remonter, d'ailleurs sachant que j'ai pris énormément de montées, mais je suis super contente de cette course, vraiment je me suis sentie super bien. J'ai vraiment essayé de gérer mon souffle et tout pendant les montées parce que c'est quand même le parcours des 20 km. Donc vraiment trop bien, je suis trop contente. Bonjour tout le monde, c'est la probable dernière sortie avant les 20 km. Je vais pas vous cacher que les dernières semaines n'ont pas été faciles du tout. Je vous ai promis de vous montrer quand c'était facile et difficile. Là c'est difficile parce qu'il faisait vraiment un temps moche. Il a plu, ça donnait pas envie de s'entraîner. J'ai dégagé pas mal d'entraînement parce que j'avais juste pas la motivation. Mais aujourd'hui ça a été pareil, tout aussi dur de sortir. Il est 18h51, ça fait depuis 17h que je suis censée courir. Non, j'ai pas couru. Juste voilà quoi, c'est dur de se motiver vraiment. Et j'ai pas hâte de la course alors que j'avais trop hâte, mais là les deux dernières semaines c'est vraiment j'ai pas le mental, donc j'espère que ça ira. Ok, j'ai fait 30 minutes d'allure 20 km, plus rapide que ce que prévu, parce que juste quand mon corps il me dit, enfin c'est beaucoup de pensées négatives en mode t'es même pas capable de partir courir, t'avais prévu de le faire, tu dis que t'es trop fatiguée, alors que j'étais vraiment fatiguée mentalement de la journée de cours que j'ai eue, pas physiquement. Du coup c'est très dur de se pousser, je le sais, et j'ai explosé ma vitesse, donc c'est cool mais c'est pas facile, et je vais vous montrer ça aussi parce que c'est important, mais regardez tout à l'heure. C'est magnifique, les montagnes là-bas, c'est magnifique. Bon allez, je m'arrête pas. C'est mon endurance fondamentale. On est à 36 minutes, 37. Je vais faire jusqu'à 40 en endurance fondamentale. Enfin, je rentre jusqu'à l'appart. Il y a un truc dont je voulais vous parler, que j'ai pas encore pris le temps d'exprimer. Mais vu que là, je suis entourée de pas mal de coureurs, j'aimerais le pointer du doigt. C'est un truc que je ne savais pas ou que j'avais pas conscience avant de commencer à courir et à m'entraîner. C'est qu'en fait, on peut pas juger une personne qui court, oui, énormément coureur, par la vitesse à laquelle elle court et par ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'en fait, chacun a un entraînement spécifique, chacun s'entraîne pour des choses différentes. Et je m'en suis rendu compte quand je passais à côté d'énormément de piétons. Et je me disais, mais en fait, ils doivent se dire que je cours super doucement. Mais derrière, ils savent pas que je suis en train de faire mon endurance fondamentale et que ça fait déjà une heure que je cours. Et
je trouve que c'est quelque chose d'important à mentionner. Dernier run de cette prépa 20 km avec Marilyn que j'ai retrouvée pour demain. Il y a Florian aussi qui va faire les 20 km demain. Et on a décidé de faire la partie de la team des gens qui courent avant, le jour avant. Parce que why not? Et puis voilà. Tranquille. Donc quoi. Là, easy, on peut parler. Mais voilà, quand même. Hey, c'est ça.